Je vais vous raconter l'histoire d'un des garçons qui avait des petits problèmes sexuels. Ça arrive, vous savez, même, même au meilleur. Ah bon? Tu te crois le meilleur? Il a tout à fait raison. Il téléphone à un copain qui est médecin, il dit écoute, Robert, j'ai un problème, c'est que j'ai rendez-vous avec ma nana ce soir, là, et je voudrais vraiment avoir quelque chose d'assez efficace, parce qu'il faut que j'assure. Le copain, il dit écoute, j'ai quelque chose de révolutionnaire, c'est le Viagra Plus. Il dit Viagra Plus, ah oui, tu vas voir, c'est extraordinaire, tu prends une pastille de ça, et là, c'est la fête pendant toute la nuit et tout. Mais il dit ok, je viens les chercher, il les prend, il t'oublie pas une pastille. Le mec, il est tellement énervé, juste avant d'arriver chez sa copine, il en prend 9. Et en une fois, bah, ah! Il me dit que ce truc, sa braguette est pétée et tout, il se retrouve là. Nom de Dieu, il y a la belle-mère qui ouvre. Bonjour. Bonjour, je viens pour le dîner. Il arrive à la table et tout, il y a toute la famille là, sa copine. Et il regarde sa copine. Allez, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Très bien. Et elle comprend pas. À la cuisine. Elle va à la cuisine, il lui tape la tête dans le micro-ondes. 27 fois en 12 minutes. Tu racontes pas la tête de la fille. Attends, c'est pas possible, il dit, c'est un ouzi que j'ai là, c'est pas possible. Quoi. Il y a la belle-mère qui passe, il attrape la belle-mère, la tête dans le frigo. Oh, il la prend aussi. Et là, la sœur qui passe, oh, il attrape la sœur, oh, l'autre sœur, oh, il nique tout le monde. Oh. Et le mec qui est tout à fait fou, il dit, c'est pas possible, je vais crever. Il commence à avoir mal, il a des ampoules et tout. Oh, oh. Et il y a toutes les filles qui sont là, oh, il dit, oh, c'est pas possible, il prend son téléphone, il téléphone à son copain, il dit, écoute, j'ai fait une connerie, j'ai pris 9 pastilles au lieu de une, là, qu'est-ce que je fais? Le docteur, il dit, on ne peut rien faire. Écoute, la seule chose que tu peux faire, c'est te mettre la zigounette dans du yaourt, ça calme la douleur. Il va dans le frigo, il prend sa zigounette, il la met dans le yaourt, et il y a la belle-mère qui crie, ah, cachez-vous, il recharge. C'est vraiment une poésie. Il ne remonte pas le niveau d'ailleurs. Renaud Rutte.